Si ton esprit ne va pas devant moi, je ne veux pas quitter ce lieu, Seigneur. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne veux pas traverser moi-même ces grandes sons. Si ton esprit ne va pas devant moi, je veux être, je dépose ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses exercées. Là où est le maître, c'est là que je veux être. Je veux rester à cet endroit, là où la rouille ne peut détruire, là où le voleur ne peut percer. Ah, j'ai choisi d'être ton serviteur, là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer, là où la rouille ne peut. Je serai ton serviteur, à tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, c'est là que je veux, c'est là que je veux. J'ai déposé ma vie, tu le sais. Là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai choisi la richesse. Oh, la rue est la même.
c'est là que nous voulons rester. Auprès de celui-là qui sait nous garder dans le creux de ses mains. Ah, chers frères et sœurs, là où tu te trouves en ce moment, je veux t'inviter à te disposer au pied de ce maître. Ce maître-là qui nous garde à l'abri de tout danger. Ah, dispose-toi avec moi ce soir. Et commence à lui dire combien de fois il est fort pour toi, celui qui te garde à l'abri. Là où le voleur ne peut détruire, là où la rue ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Ah, il te garde contre tout danger. Commence à lui dire combien de fois il est grand pour toi, combien de fois il est précieux pour toi. Oh Seigneur, nous voulons avec nos bien-aimés, Seigneur, venir au devant de toi. Je te dis combien de fois tu es précieux pour nous. Toi qui nous as gardés jusqu'ici, Seigneur. Tu es notre abri, tu es notre secours, tu es notre refuge. Toi qui as vaincu la mort pour nous. Rien d'impossible à toi, oh ressuscité. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le tombeau. Ah Jésus, nous voulons simplement t'adorer ce soir. Nous voulons t'adorer. Te dis combien de fois tu es bon pour nous, notre amour, notre précieux trésor. Et nous voulons prosterner au devant de toi. Nous voulons magnifier ton nom ressuscité. Toi qui as vaincu la mort. Oh, nous voulons prosterner. Dispose-toi, dispose-toi à adorer ce Dieu-là. Dispose-toi. Et tu lui combien de fois tu l'aimes. Tu lis des paroles mélodieuses. Il veut t'entendre. De là où tu es. De là où tu es. Ouvre la bouche. Et commence à lui dire des paroles merveilleuses. Ah Seigneur. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié. Nous voulons nous prosterner à tes pieds, Seigneur. Je viens, Jésus, oh, adorer, magnifier ton nom.
mais prosterne-toi avec moi. Toi doré, celui-là qui a vaincu la mort pour toi, celui-là qui a assis en majesté. Nous voulons, enseigne-moi, oh Dieu, non pas pour ce que tu fais pour nous, pour cela que tu fais. Oh, 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 apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Malgré les difficultés, malgré la situation, oh, enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, oh, te louer, non pas pour ce que tu fais. Yeah.
Toute ma vie, je te louerai, Seigneur.
Davantage
apprendre à t'aimer, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni sois-tu pour, Seigneur Dieu, ton serviteur, ta servante, quelqu'un qui est connecté en ce moment et qui, Seigneur notre Dieu, prend part à cet excellent moment, à cette excellente adoration. Nous glorifions ton nom pour leur vie. Nous bénissons ton nom, éternel notre Dieu, pour ton peuple. Seigneur, béni sois-tu. Béni soit ton nom. Tu es digne de nos louanges ce soir. Tu es digne de notre acclamation ce soir. Tu es digne de notre reconnaissance ce soir. Tu es digne de notre exaltation ce soir. Nous t'exaltons parce que tu le mérites. Tu n'as pas usurpé ton titre, Seigneur. Tu n'as pas usurpé ton titre de fils de Dieu. Tu n'as pas usurpé ta position de roi de roi, de roi des rois. Non, tu mérites. Tu mérites, Seigneur Jésus. Tu mérites ta position. Tu mérites. Tu mérites notre adoration. Tu mérites qu'on te reconnaisse. Tu le mérites. Tu le mérites parce que Philippiens chapitre 2 dit que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Après t'être humilié jusqu'à la mort de la croix, après avoir obéi à Dieu, après t'être soumis au Seigneur jusqu'à la mort, jusqu'à cette mort humiliante, Seigneur Jésus, oh, tu as reçu, oh, par ta résurrection, par ta victoire d'abord sur la mort et le séjour des morts, par ta victoire sur Satan, par ta victoire sur les démons, par ta victoire, Seigneur notre Dieu, sur nos maladies, nos péchés, nos infirmités, Seigneur Dieu, tu as reçu, par ta résurrection, Seigneur, tu as reçu, oh, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as été glorifié, tu as été fait Christ, Seigneur. Sois glorifié ce soir, sois exalté ce soir, sois béni, notre Dieu. Sois béni pour nous avoir donné Christ Jésus, pour nous avoir donné ce rocher, pour nous avoir donné ce sauveur excellent, ce sauveur merveilleux. Merci, notre Dieu, pour ta grâce. Nous bénissons ton nom ce soir avec des acclamations. Avec des cris de joie, si Dieu est chez toi, tu peux pousser des cris de joie. Acclamez le Seigneur pour sa fidélité. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Amen. Alors si tu as un voisin qui est assis à côté de toi, peut-être dans le salon ou je ne sais pas où, dis-lui que Christ est le rocher. Amen. Dis-lui que Christ est le rocher. Dis-lui que Christ est le rocher. Alléluia. Dis-lui Christ est ton rocher. Dis-lui cela. Christ est notre rocher. Alléluia. Amen. Voilà, soyez bénis. Nous sommes très, très, très heureux et très, très bénis d'être avec vous encore ce soir au rendez-vous des vainqueurs. Alléluia. Amen. Voilà, le rendez-vous des vainqueurs, c'est là où Dieu change. Dieu transforme les perdants en vainqueurs. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors ce soir, tu vas recevoir encore une parole de victoire, une parole qui va te challenger, qui va te transformer, une parole qui va booster ta foi et te rapprocher davantage du Seigneur. Amen. Amen. Alors nous voulons bénir le Seigneur pour les chants. Merci. Soyez bénis. On peut acclamer pour eux. Ils font un excellent ministère. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Voilà, je te salue encore. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans vos maisons, toi qui es connecté. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, donc depuis plusieurs semaines maintenant, nous étudions un thème excellent, alléluia. Voilà, nous faisons un voyage, nous sommes dans un voyage, nous sommes dans un parcours qui nous bénit mercredi après mercredi, alléluia. Donc le thème que j'aborde en ce moment, c'est grandir, alléluia. Grandir, grandir dans l'intimité avec Dieu. Dis avec moi, grandir. Dans l'intimité avec Dieu. Je crois qu'à l'issue de cette série, tu vas grandir dans ton intimité avec Dieu, parce que c'est l'objectif. Amen. Tu vas grandir dans ton intimité avec Dieu. Ça veut dire que si tu étais loin du Seigneur, tu vas davantage te rapprocher de lui. Si le Seigneur était inconnu de toi, tu vas le connaître. Tu vas apprendre à le connaître. Quelqu'un dit amen. Si tu n'avais pas pour souci ou quête de connaître profondément le Seigneur et de l'expérimenter dans sa gloire, à l'issue de cette série-là, tu vas voir que dans ton cœur va naître une grande soif,
Et je crois d'ailleurs que le Seigneur est déjà en train de le faire. Dis-moi amen. La soif de Dieu est en train de naître profondément dans ton cœur. Et tu vas devenir à l'issue de ce moment un intime de Dieu, un assoiffé de Dieu. Je vois Dieu susciter un assoiffé de Dieu. Je vois un Dieu susciter un passionné de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. Et c'est une chose extraordinaire, c'est une chose excellente, grandement bénéfique d'être un intime de Dieu. Quelqu'un dit amen. Voilà. Les gens peuvent se glorifier d'être intimes, des grands hommes, des présidents. Quand ils se vendent, dis-moi, je fréquente les grands hommes, je suis proche des grands hommes, j'ai accès à la présidence, j'ai accès auprès de tant, de tant, de tant. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi. Parce que les grands noms de la terre offrent des privilèges, des accès. Alléluia. Voilà. Mais vous vous imaginez que au-dessus de tous les grands noms, au-dessus des chefs d'État, au-dessus des rois, au-dessus des princes de cette terre, il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous ces noms-là. Quelqu'un dit amen. Et c'est à ce nom plus grand, le nom le plus grand de l'univers, que toi et moi, nous avons accès. Alléluia. Alors tu n'as rien du tout à envier à celui qui a accès auprès des grands de ce siècle. Pourquoi? Parce que ce siècle, il va passer. Alléluia. Mais il y a une chose qui va demeurer. C'est le trône de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Et toi et moi, nous avons accès pleinement à cette vie. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Voilà donc, tu vas grandir certainement après cette série. Quelqu'un dit amen. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois pour toi. Alors, si tu le crois, tu peux faire un finger acclamation. Amen. Voilà. Et donc, depuis, comme je le disais, depuis plusieurs semaines maintenant, nous faisons ce voyage. Nous avons vu au début que c'était une nécessité absolue, c'était une condition sine qua non de connaître le Seigneur, de donner sa vie à Jésus, parce qu'on ne peut pas parler d'intimité avec Dieu si au préalable on n'a pas fait la paix avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est important que celui qui n'a pas encore vraiment fait la paix avec le Seigneur le fasse, dans le but de prendre part pleinement à la vie éternelle que Christ nous a acquise à la croix. Alléluia. Et qu'ensuite, après avoir donné ta vie à Jésus, tu commences à entretenir cette relation intime avec lui, cette relation proche de Dieu, cette relation qui te fait rentrer dans les privilèges de Dieu, dans les grâces et dans les faveurs divines, dans un épanouissement total. Alléluia. Tu as droit à cela, mais ces choses ne se trouvent que dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Voilà. Et le mercredi dernier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à parler du chemin vers la gloire. Dis avec moi, le chemin vers la gloire. Amen. Tu dois comprendre que le chemin vers la gloire est un parcours, c'est un processus, que la gloire de Dieu ne se révèle pas à nous du jour au lendemain. À la gloire de Dieu, nous commençons à l'expérimenter quand véritablement dans nos cœurs d'abord naît la soif de connaître Dieu. Quand d'abord dans ton cœur naît la soif de connaître Dieu, alléluia, ensuite tu vas commencer à traduire cette soif-là par la prière, tu vas commencer à la traduire par ce désir ardent-là de rester dans la présence de Dieu, de connaître le Seigneur, de cultiver une intimité avec lui, de développer une relation intime avec le Seigneur. Et c'est au fur et à mesure donc que tu commences à assouvir cette soif-là dans la présence de Dieu, dans une vie de prière assidue, dans une vie de méditation, dans une vie de communion étroite avec le Seigneur. Et au fur et à mesure que tu le feras, tu verras que chaque jour, le Seigneur te donnera davantage d'accès. Alléluia. Il te donnera davantage d'accès. Vous verrez que vers la fin, je ne vais pas dire vers la fin, mais pendant le parcours que nous allons faire, nous allons prendre pour modèle le tabernacle. Alléluia. Si vous prenez le tabernacle, vous savez qu'il y a trois grandes parties dans le tabernacle. Il y a le lieu, il y a le parvis extérieur. Quelqu'un dit amen. On va appeler la cour. Voilà. À la cour du tabernacle, tout le monde avait accès à cette cour. Pour faire les ablutions, le peuple de Dieu pouvait avoir accès à cette cour-là pour pouvoir sacrifier, hein, voilà, apporter des sacrifices au Seigneur,
faire des ablutions, se sanctifier. Et donc, c'est dans cette cour-là que les activités, où j'ai envie de dire, ce qui concerne le peuple, hein, se déroulaient. Et donc, à part cette cour à laquelle les gens avaient accès, le peuple de Dieu avait accès, ils n'avaient droit ni au lieu saint, ni au lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur avait droit au lieu saint et au lieu très saint. Quelqu'un dit amen? Mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, alléluia. Et le fait que à la mort de Jésus-Christ, le voile soit déchiré, se soit déchiré entre le lieu saint et le lieu très saint, veut dire que désormais, ce n'est plus le pasteur, ce n'est plus le prophète, ce n'est plus seulement une classe privilégiée de personnes qui a accès à la présence de Dieu. Quiconque a donné sa vie à Jésus a droit à cette présence, a droit à cette intimité et a le droit de vivre et de bénéficier pleinement de tout ce qu'il y a comme grâce, faveur et bénédiction dans le Christ Jésus pour nous. Alléluia. N'oubliez pas que Éphésiens le chapitre 1 dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc c'est ce chemin-là vers la gloire, c'est ce chemin vers une véritable bénédiction. Quand je parle de bénédiction, ne voyez pas les choses matérielles. C'est le chemin donc vers cette bénédiction qui est d'abord spirituelle, qui est un héritage que nous avons en Christ. C'est sur ce chemin-là, hein, donc c'est ce parcours-là que nous allons faire pendant toute cette série. Amen. Donc aujourd'hui, le point sur lequel je vais m'attarder, c'est véritablement comment est-ce que on trouve la gloire. Donc je disais, c'est un voyage vers la gloire, le chemin vers la gloire. Quelles sont les étapes, alléluia, les différentes étapes à franchir vers la gloire de Dieu? Quelles sont les différentes étapes qui nous mènent à la gloire de Dieu? Dis avec moi la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un a soif de voir la gloire de Dieu? Quelles sont les différentes étapes qui nous mènent à la gloire de Dieu? Alléluia, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Dis amen avec moi. Alors je veux que tu prennes en introduction avec moi le thème, le passage de 1 Jean. Amen. 1 Jean. 1 Jean le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Je fais la lecture. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Donc cette vie éternelle nous a été manifestée en qui? En Christ Jésus. Quelqu'un dit amen. Le verset 3 dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Alors, Jean dit, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen? Jean n'écrivait pas aux païens, Jean écrivait aux chrétiens. Dis amen avec moi. Alors, si Jean insiste sur le fait qu'il faut que les destinataires de sa lettre aient la compréhension de la vie éternelle, aient la compréhension de cette vérité, si Jean insiste là-dessus, ça veut dire que c'est important. Non seulement c'est important, ça veut dire que vous pouvez passer, pendant que vous êtes dans l'église, vous pouvez passer à côté de la compréhension, de la révélation profonde de ces choses-là. Quelqu'un dit amen.
Et donc, la prière de Jean, c'est que Jean voulait que les destinataires de sa lettre, les gens à qui il écrivait la lettre, aient la révélation de Christ. Quelqu'un dit amen. Est la révélation de Christ, est la révélation de la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui est venue vivre parmi nous. Quelqu'un dit amen. Oui. Il dit, nous avons accès maintenant à la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, c'est la vie qui est en Dieu, la vie Zoé de Dieu, la vie incorruptible de Dieu, la vie infinie de Dieu, la vie infiniment riche de Dieu, la vie infiniment glorieuse de Dieu. Nous parlons de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit amen. Cette gloire infinie là, Jean dit à l'église que cette vie là, elle s'est manifestée. Quelqu'un dit amen. Oui, elle s'est manifestée. Il dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Quelqu'un dit amen. Et nous lui rendons témoignage. Et Jean dit, nous lui rendons témoignage, pourquoi? Parce que nous l'avons vue. Alléluia. Mais dans le verset 1, vous allez vous rendre compte que Jean parle de la révélation de la parole, la progression de la révélation de la parole. Alléluia. La progression de la révélation de la vie éternelle. La progression de la connaissance du Fils de Dieu, de Christ Jésus. Alléluia. Il dit, ce qui était dès le commencement et que nous avons entendu. Quelqu'un dit amen. Que nous avons entendu. Ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons vu. Celui qui a entendu, ou à la limite celui qui a vu, a plus de révélation que celui qui a entendu. Tu peux entendre sans voir. Quelqu'un dit amen. Voilà. Souvenez-vous de Job. Quand Job a fini d'expérimenter Dieu dans une certaine dimension, à la fin de son histoire, Paul a dit, et pardon, Job a dit, avant, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire que Job n'était plus la même personne. À la fin de l'histoire, à la fin de cette épreuve, à la fin de ces moments difficiles que Job a connus, il n'a plus jamais été la même personne. Il a connu Dieu sous un jour nouveau. Il a expérimenté Dieu. Quelqu'un dit amen. Dieu s'expérimente, Dieu se vit. Dieu n'est pas une utopie, Dieu n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une réalité que vous vivez tous les jours. Quelqu'un me dit amen. Je te vois vivre la réalité de Christ tous les jours. Quelqu'un dit amen. Et dit donc, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé. Dis-moi amen. Ce que nous avons contemplé. Vous savez, contempler est plus grand, plus excellent que voir. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un, mais ne pas avoir la révélation profonde de qui est cette personne. Quelqu'un dit amen. Voir, ça veut dire, ah bon, Seigneur, j'ai faim. Est-ce que tu peux me donner à manger? Jésus a multiplié le pain. Oh, les gens ont mangé. Il dit, nous avons vu des miracles aujourd'hui. Alléluia. Oui. Ça, tu as vu la gloire de Dieu. Tu as vu Jésus d'une certaine manière. Tu l'as vu multiplier le pain. Il dit, ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont vu, nos yeux l'ont vu ressusciter les morts. Nos yeux l'ont vu ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Nos yeux l'ont vu ressusciter Lazare. Quelqu'un dit amen. Comme Israël a vu de grandes choses dans le désert. Israël a vu Dieu depuis l'Égypte les délivrer de la main puissante de qui? De Pharaon. Les délivrer de toute la puissance mystique, la puissance militaire et la puissance de la sagesse de l'Égypte. Dieu les a délivrés de cette servitude, de cet esclavage-là. Ils ont vu Dieu. Est-ce que quelqu'un a vu Dieu? Alléluia. Je sais que tu as déjà vu Dieu d'une certaine manière. Tu l'as vu au travers des délivrances qu'il t'a accordées. Tu l'as vu au travers des miracles qu'il t'a accordés, des victoires qu'il a opérées dans ta vie. Alléluia. Mais je suis venu te dire ce soir, ne sois pas satisfait de ce que tu as vu. Pourquoi? Parce que ce que tu as vu n'est rien comparable à ce qui est à venir. Quelqu'un dit amen. Jean dit ce que nous avons entendu. Il dit concernant la vie éternelle, concernant la parole de Dieu, concernant Christ, nous l'avons entendu. Alléluia. Nous avons entendu sa prédication. Nous l'avons entendu prêcher. Nous l'avons entendu enseigner. Et nous l'avons vu faire des prodiges et des miracles. Quelqu'un dit amen. Voilà.
Et puis il dit ensuite, au fur et à mesure que nous le voyons, nous avons fini par comprendre que cet homme n'est pas qu'un prophète. Nous avons fini par percevoir qu'il n'est pas qu'un docteur de la loi. Il est plus qu'un docteur de la loi. Nous avons fini par avoir la révélation que c'est le Dieu glorieux qui s'est manifesté dans un être humain. Quelqu'un dit amen. Nous avons commencé à découvrir que dans ce Jésus-là se trouvait toute la plénitude de la divinité. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et donc nous sommes passés du fait de voir des miracles, de vivre des miracles, à un stade de contemplation. Quand vous commencez à contempler Dieu, là vous commencez à le connaître dans sa grandeur, dans sa puissance, alléluia, dans sa beauté, dans sa magnificence. On contemple ce qui est magnifique, on contemple ce qui est beau, on contemple ce qui retient toute notre attention. Quelqu'un dit amen? Oui, tout ce, c'est-à-dire, ce que tu contemples est arrivé à retenir ton attention. Alléluia. L'objet de, il est devenu, cette chose est devenue l'objet de toute ton admiration. Pourquoi? Parce que tu as commencé à découvrir des choses qui ne se découvrent pas lorsqu'on se contente seulement de regarder. Quelqu'un dit amen? Oui. Pour parvenir du stade de voir à la contemplation, il faut passer du temps. Il faut passer du temps à regarder avec attention. Il faut passer du temps à creuser dans la personne. Il faut passer du temps à étudier la personne dans le but de quoi? De découvrir ce qu'elle a d'aussi excellent, de si beau, de si merveilleux. Quelqu'un dit amen? Voilà. Et quand c'est comme ça, vous n'êtes plus avec la personne pour ce que vous pouvez gagner, pour de l'argent ou pour un miracle. Ça dépasse le fait de bénéficier d'un miracle de la part de Jésus. C'est sa personne même qui vous intéresse. Quelqu'un dit amen. C'est sa personne, c'est sa beauté, c'est ce qu'il est qui vous intéresse. C'est ce qu'il est qui commence à vous intéresser. Vous commencez à découvrir dans le Sauveur qui n'est pas seulement le Sauveur, qu'il est aussi votre Seigneur. Quelqu'un dit amen. Qu'il est votre Dieu. Ensuite, vous commencez à découvrir en lui quelqu'un qui est rempli d'amour. Quelqu'un qui est profondément bon, qui est la manifestation de la bonté. Quelqu'un dit amen. Vous commencez à voir en lui quelqu'un qui commence à combler toutes vos attentes, commence à répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Il s'intéresse, il se préoccupe. Vous commencez à l'entendre vous consoler. Vous commencez à l'entendre vous soutenir. Vous commencez à le voir quand tout le monde vous a laissé. Vous commencez à vous rendre compte que mais alors que tout le monde m'a laissé, mes parents m'ont laissé, mes amis m'ont laissé, celui-là, il est là avec moi. Quelqu'un dit amen. Il est là avec moi. Donc autrement, son amour ou sa présence ou son intérêt pour moi n'est pas lié à ce que je veux, ou pardon, à ce que j'ai, à mon argent ou à ceci ou à cela, au matériel, mais il est juste avec moi parce qu'il m'aime. Dieu est juste avec moi parce qu'il m'aime. Alléluia. Jésus est juste avec moi parce qu'il m'a aimé. Alléluia. Jésus est juste avec moi parce qu'il m'apprécie. Jésus est juste avec moi parce que je suis important. Je suis précieux à ses yeux. Il m'a montré que je suis précieux à ses yeux. Quelqu'un comme ça, vous commencez à l'admirer. Et j'en dis, nous l'avons contemplé. Oh, je prie que Dieu nous aide à rentrer dans la dimension de la contemplation. Quelqu'un dit amen. Dans la dimension de la contemplation. Il dit, pendant que nous l'avons contemplé, pendant que nous étions en train de le contempler, alléluia, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il dit, pendant que nous le contemplions, nous l'avons finalement touché. Dis avec moi, touché. Tu dis pas bien, dis touché. Dis encore touché. Vous savez, toucher, ce toucher est différent du toucher, par exemple, que la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. En tout cas, elle a touché Jésus. Alléluia. Elle a touché Jésus comme jamais personne ne l'a touché auparavant. Et le fait qu'elle ait vu en lui ce Dieu ou cet homme puissant, cet homme capable de le guérir, et le fait qu'il ait cru en lui,
lui a permis de toucher Jésus d'une certaine manière. Quelqu'un dit amen. Vous voyez, mais il y a plus que ça. Quand vous commencez à toucher Dieu, ça veut dire que vous commencez à manifester la divinité. C'est-à-dire, vous commencez à rentrer dans la phase où Dieu se manifeste maintenant au travers de vous. Là, il dit, j'ai touché Jésus. Amen. Il dit, nous l'avons touché. Quelqu'un dit, amen. Nous l'avons touché. Nous l'avons touché. Alléluia. C'est ce que 2 Corinthiens, le chapitre 3, je crois le verset 8 dit que lorsque nous le contemplons, le visage dévoilé, nous sommes transformés. Quelqu'un dit amen. Nous sommes transformés en son image. Donc, la contemplation fait quoi? La contemplation amène Dieu en nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire, la contemplation, pendant que tu le contemples, Dieu s'imprime en toi. Alléluia. Dieu s'imprime en toi. La contemplation amène Dieu à venir résider en toi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alors, si Dieu vient résider en toi, est-ce que tu comprends que ça veut dire que tu es en train de partager sa divinité? Pierre dit qu'il nous a appelés à prendre part, à partager sa divinité. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alors, si tu commences à partager la nature de Dieu, qu'est-ce que tu es? Tu es en train de devenir Dieu. Quelqu'un ne me suit pas? Quelqu'un ne me suit pas? Donc, la phase terminale de la contemplation, c'est le toucher. Et quand tu commences à rentrer dans cette dimension-là, au travers de toi, on voit Christ, on voit la divinité. Dis amen. Dis amen. Là, tu commences à transporter la gloire de Dieu. Tu commences à transporter la gloire de Dieu. Partout où tu vas, on voit Dieu. Quelqu'un dit amen. En fait, c'est ce que Paul dit. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Voilà. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un dit amen. C'est comme le pasteur Mohamed avait donné cet exemple-là, pendant qu'il enseignait justement sur cette vérité. Il dit, supposons que Michael Jordan entre en toi. Michael Jordan, c'est un mythe. Aujourd'hui, c'est un mythe dans le domaine du basketball. Quelqu'un dit amen. Voilà. Michael Jordan rentre en toi. C'est-à-dire, toi, on va dire, tu sais jouer au basket. Hein. Tu te débrouilles. Et puis, pendant que tu es là, Michael Jordan entre en toi. Il prend le contrôle de toi, de ton corps. Donc, physiquement, c'est toi. Mais à l'intérieur de toi qui est là, Jordan. Donc, tu t'imagines que si Jordan rentre en toi, toutes ses capacités, tout son savoir, toute son expérience, alléluia, toute sa gloire, c'est-à-dire toute la personne de Jordan vient s'incarner en toi. Imagine-toi que tu vas commencer à partager l'excellence, à vivre l'excellence que Jordan a vécue dans le basketball. Quelqu'un dit amen. Tu vas commencer à vivre les exploits que Jordan a fait pendant toute sa carrière. Quelqu'un dit amen. Et tu vas aussi commencer à vivre la gloire, à expérimenter la gloire qu'il a connue. Parce que c'est les capacités qu'il a eues, qu'il a acquises, alléluia, pendant sa carrière, qui lui ont donné la gloire qu'il a connue. Alors, quand les capacités divines aussi viennent en nous, quand la nature de Dieu vient en nous, quand sa puissance vient en nous, quand sa divinité vient en nous, alléluia, alléluia, comprenons que nous pouvons et nous devons être comme Christ est. Alléluia. La Bible dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Vous avez ça là, notre intelligence comprend ça. Mais notre esprit n'a pas encore compris. Notre esprit n'a pas encore accepté ça.
Même quand tu dis que Christ est en moi, je t'assure, tu dis ça, hein, mais tu le dis intellectuellement. Tu ne l'as pas encore acquis spirituellement. Quelqu'un dit amen. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce voyage, alléluia, te fasse rentrer dans cette dimension de la manifestation de la nature de Dieu en toi, de la divinité en toi. Quelqu'un dit amen. Alors si on te dit que tu es Dieu, on dirait que, c'est-à-dire, notre intelligence fait obstruction à cette vérité-là. Quelqu'un dit amen. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que tu crois que tu es Dieu? Mais Dieu a un petit dé. Tu ne crois pas. Tu le crois. Intellectuellement, tu comprends. Que quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, il est venu à la nature de Dieu. Mais tu n'as pas encore pris conscience et tu n'as pas encore commencé à vivre la nature de Dieu qui est en toi. Quelqu'un dit amen. Et donc, c'est le but, en fait, de ce voyage. Alléluia. Voilà. Je te vois atterrir dans la glorieuse divinité de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, je te vois prendre possession, prendre totalement possession de cet héritage-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, ce soir, à ôter encore le voile. Parce qu'il y a des voiles sur notre cœur. Il y a des voiles sur nos yeux, Seigneur. Oh, je t'en supplie, fais-le pour moi, Seigneur. Oui, pendant que tu parles au travers de moi, je suis le premier concerné par cette vérité. J'ai soif, Seigneur Dieu vivant, d'arriver, oh Dieu, à la manifestation de ta gloire dans ma vie. J'ai soif de cette dimension, Seigneur. J'ai soif de cette dimension. Je crois que c'est la soif de quelqu'un ce soir. Seigneur, donne-lui d'assouvir sa soif. Oh Père, dans ta présence, Jésus, tu as dit que celui qui a soif, dans Jean le chapitre 7, tu as dit que celui qui a soif vienne. Merci Seigneur, merci de faire grandir cette soif chaque jour, un peu plus, de la faire grandir, Seigneur, en quelqu'un qui t'entend, qui te suit, qui écoute, Seigneur Dieu, cette parole, ce message, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Ok, donc quels sont les moyens d'accès à la gloire de Dieu? Nous avons dit, c'est l'intimité. Dis avec moi, l'intimité. Quelqu'un dit amen. L'intimité. Nous allons aller dans Exode 33, c'est notre passage de base. Exode 33, le mercredi dernier, nous avons compris que Moïse avait deux grandes choses qu'il demandait à Dieu, alléluia, et qu'il exprimait par le fait que, après que Dieu lui ait dit, bon écoute, je vais pas venir avec vous, toi et le peuple, je ne vais pas venir avec vous. Je vais vous envoyer mon ange. Il va vous accompagner à Cana. Alléluia. Et je disais donc que il y a une catégorie de personnes qui peuvent se contenter du ministère des anges. C'est-à-dire, guéris-moi quand je suis, quand je suis malade. Donne-moi un enfant quand j'en veux. Accorde-moi le mariage et ainsi de suite. Quelqu'un dit amen. Voilà. Le succès, la gloire, la réussite. Et le Seigneur est en train de dire ici, il a dit plutôt ici à Moïse que je vais vous envoyer à Cana, je vais vous envoyer dans le repos, dans ce territoire où coule le lait et le miel. Je vous enverrai là-bas et je vais envoyer un ange vous accompagner. Il fera le chemin avec vous. Vous arriverez certainement à Cana. Quelqu'un dit amen. Voilà, vous aurez la victoire sur vos ennemis, vous combattrez les Cananéens, vous combattrez les Hétiens, les Phérisiens, les Héviens, les Jébusiens. Tout cela, vous allez avoir la victoire sur eux. Alléluia. Juste par la présence de l'ange que je vais envoyer devant vous. Et Moïse a dit à Dieu, jamais. Alléluia. Il dit jamais. Il dit, si tu ne nous accompagnes pas toi-même, nous ne bougerons pas d'ici. Quelqu'un dit amen.
Quelqu'un dit amen. Amen. Autrement dit, Moïse dit, je ne veux pas le mariage sans toi. Je ne veux pas un travail, Seigneur, sans toi. Je ne veux pas, Seigneur, une femme sans toi. Je ne veux pas un foyer sans toi. Je ne veux pas, Seigneur, la gloire, je ne veux pas le succès sans toi. Je ne veux pas, Seigneur Dieu vivant, la renommée, la réputation sans toi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Seigneur, je préfère que toi, tu sois ma réputation. Que tu sois la chose, Seigneur Dieu, la plus précieuse que j'ai. Je te préfère à l'or, je te préfère à l'argent, je te préfère à une femme, je te préfère à un mari, je te préfère, Seigneur Dieu, au succès. Je te préfère à tout, Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je te préfère à tout. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un? Si c'est le cas de quelqu'un ce matin, ce soir, je crois que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. Alors, Moïse a demandé deux choses. Quelqu'un dit amen? Voilà. Moïse a demandé deux choses. Dans le passage, Moïse a demandé à connaître le Seigneur. Quelqu'un dit amen? Il a demandé à connaître le Seigneur. Le verset 12, il dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Ça, c'était la première requête, la première prière de Moïse. Fais-moi connaître. Alléluia. Voilà. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Dis avec moi, connaître. Oh, dis bien, dis avec moi, connaître. Alléluia. Alors, je veux encore rappeler, il faut que je le fasse toutes les fois où nous nous rassemblons, que cet enseignement est exclusivement tiré du dévotionnel numéro 3, mais numéro 4, 5 et 6 du pasteur Mohamed. C'est excellent, c'est extraordinaire ce que le Seigneur nous enseigne par son serviteur dans ses écrits-là. Alléluia. C'est d'une richesse incroyable. C'est pourquoi je veux t'inviter à te procurer les dévotionnels. Procure-toi tous les 12. Si tu n'as pas tous les 12 dévotionnels et que tu as vase d'honneur ou ailleurs, si tu n'as pas ça, là, si tu es fils de vase d'honneur et que tu n'as pas les dévotionnels du pasteur Mohamed, tu es dans le péché. Hey. Amen. Non, je suis sérieux avec toi. Tu es dans le péché. Pourquoi? Parce que péché, là, c'est rater le but. Et il y a un but pour lequel le Seigneur a inspiré les dévotionnels, a inspiré tous ses enseignements à notre Père spirituel. Donc, il n'est pas normal que, pendant que tu as des clés avec toi, tu sois en train de rater l'essentiel, rater ton épanouissement, rater le bonheur et la grâce, alléluia, que Dieu a déjà mis en réserve pour toi. Tu cherches des réponses ailleurs alors que les réponses sont tout à côté de toi. Alléluia. Touche le voisin, dis-lui, les réponses sont ici. Amen. Dis-lui, tes réponses, les réponses à tes questions, à tes préoccupations sont dans les dévotionnels du pasteur Mohamed. Il faut lui dire ça. Dis amen. Alléluia. Voilà. Donc, procure-toi les dévotionnels. Et dans cette saison, nous parlons d'intimité. Dis avec moi, intimité. Donc, le dévotionnel 4, 5 et 6 parle de l'intimité avec Dieu. Comment grandir dans votre intimité avec Dieu? Quelqu'un dit amen. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut grandir. Il ne faut jamais s'arrêter de connaître Dieu. Il ne faut jamais s'arrêter d'avoir soif de Dieu. Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre à connaître Dieu. Quelqu'un dit amen. Dieu est tellement grand, nous ne pouvons pas finir de le connaître. Quelqu'un dit amen. Mais cherchons-le. Cherchons-le de tout notre cœur. Alors, Moïse a demandé deux choses. Je veux te connaître. Dis avec moi, je veux te connaître. Dis avec moi, Seigneur, je veux te connaître. Alléluia. Alors, je vais te lire ça littéralement. Je vais te lire la leçon 5 dans le dévotionnel 4. Si tu la prends avec moi, on va lire ensemble. Leçon 5 dans le dévotionnel 4. Dans Exode, le chapitre 33, nous avons lu ça tout à l'heure, au verset 13, Moïse dit, maintenant,
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Quelqu'un dit amen. Donc ce verset est en train de nous montrer clairement que Dieu peut te dire, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Mais la grâce là, elle a des niveaux. Elle a des levels. Quelqu'un dit amen. Voilà. Il faut aller de grâce en grâce, de faveur en faveur. Quelqu'un dit amen. La grâce de Dieu, c'est, la définition de la grâce, elle est large. Mais c'est recevoir des choses que vous ne méritez pas. Alléluia. Mais dans la grâce, il y a des niveaux d'accès. Il y a des niveaux d'accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, vous devez la faire grandir dans votre vie. Et donc, Moïse dit ici, dans le verset que nous venons de lire, Moïse dit que, il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore. Quelqu'un dit encore. Il dit, alors je te connaîtrai et je trouverai encore. Quelqu'un dit encore. Ça veut dire que la grâce, le niveau de grâce qui est dans ta vie, là, elle est fonction, elle est le résultat ou la résultante, alléluia, oui, de la connaissance ou du niveau de connaissance que tu as en ce moment de Dieu, du niveau d'expérience que tu as eu avec Dieu. C'est à ce niveau de grâce que tu es, alléluia. Moïse nous donne la clé, il dit, fais-moi connaître tes voies, c'est-à-dire quoi? Fais-toi connaître à moi. Je veux te connaître davantage. Je veux te connaître, Seigneur Dieu, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Enseigne-moi tes lois, tes préceptes, tes conseils. Enseigne-moi, Seigneur, ta parole. Fais-moi connaître tes voies. Dis-moi amen. Oh, connais les voies de Dieu. Que quelqu'un connaisse les voies de Dieu. Il dit, fais-moi connaître tes voies. C'est-à-dire, révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es. Révèle-moi ton cœur, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es véritablement. Je veux te connaître. Je veux connaître. Je veux te connaître dans ta nature. Je veux connaître ta personne. Je veux connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Je veux connaître tes goûts, tes préférences. Je veux connaître ta volonté pour moi. Je veux savoir réellement, Éternel, qui tu es. Pas ce que tu es capable de faire. Je sais que tu as fendu la mer rouge en deux. Je sais que, Seigneur Dieu, tu as déployé ton bras puissant et tu as combattu l'Égypte pour nous. Je sais, Seigneur Jésus-Christ, pardon, je sais, Dieu dit à Moïse, je sais toutes ces choses que tu as faites là, je sais. Je sais, je t'ai vu faire descendre l'écaille du ciel. Je t'ai vu faire descendre la manne du ciel, Seigneur. Mais dans mon cœur, il y a une voix qui résonne. Il y a une voix qui atteste à mon cœur, Seigneur, que je n'ai pas fini de te connaître. Que ce que j'ai vu n'est rien comparé à la personne que tu es réellement. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Donc Moïse dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Alléluia. Je te connaîtrai. Ou bien, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Autrement dit, Moïse aspirait à une plus grande, à un niveau plus élevé de grâce dans sa vie. Que le Seigneur te donne ça au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne cela au nom de Jésus. À un niveau plus élevé de grâce. Donc la clé pour un niveau plus élevé de grâce, pour un niveau plus élevé de gloire dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un intime de Dieu, c'est quoi? C'est connaître Dieu. C'est la connaissance de Dieu. C'est la révélation du Dieu. Alléluia. Dis avec moi la révélation. Ah, je prie que le Seigneur se révèle à toi. Parce qu'il se révèle toujours. Mais il se révèle à celui qui le cherche. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Alors j'ai promis vous lire littéralement la leçon 5. Amen. Dans la leçon 5, justement, le pasteur commence à nous enseigner sur le cheminement, alléluia, qui mène à l'intimité ou à la connaissance de Dieu. Amen. À la lecture, donc je lis, hein, à la lecture de ce verset, nous réalisons qu'au désir de Moïse de voir la gloire de Dieu se mêle cette soif de connaître Dieu. Alléluia. Voilà. Donc Moïse aspirait à la gloire de Dieu, mais il s'est mêlé aussi
à ce désir-là. Donc, il avait deux choses. Il aspirait à la connaissance et à la gloire. Dis avec moi, connaissance et gloire. Alléluia. Donc, c'était un mélange des deux choses que Moïse demandait au Seigneur. Quelqu'un dit amen. Donc, Moïse avait soif de connaître Dieu lui-même et d'aller à sa rencontre dans son intimité. Le mot connaître qu'utilise Moïse vient du verbe hébreu yada. Dis avec moi, yada. Donc, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. D'accord? L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Quelqu'un dit amen. Donc, le mot connaître ici que Moïse utilise pendant sa prière veut dire yada. Alléluia. C'est le même mot grec dans le Nouveau Testament qui veut dire, qui est intitulé ginosko. Dis avec moi, ginosko. Le même, donc le mot yada en grec veut dire ginosko. Ou le même mot en grec c'est ginosko. Dis avec moi, ginosko. Il signifie encore avoir une révélation. Dis avec moi, une révélation. Dis avec moi, une révélation. Donc ce mot signifie, entre autres, avoir la révélation. Ça signifie encore avoir la compréhension d'un sujet. Alléluia. Voilà, la compréhension d'un sujet. Avoir, ce mot veut dire encore avoir des relations sexuelles. Dis, hey. Ou avoir des rapports intimes. Dis, hey. Par exemple, la Bible dit en Genèse le chapitre 4, le verset 1, qu'Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta. Donc, le même mot que Moïse a utilisé dans la prière qui est yada, veut dire connaître aussi sexuellement. Dis avec moi, hey. Alléluia. Donc, le mot yada, c'est-à-dire connaître, que Moïse a utilisé, veut dire avoir la révélation, avoir la connaissance profonde concernant un sujet, avoir des rapports intimes. Quelqu'un dit amen. Autrement dit, des rapports sexuels. Donc l'exemple que le pasteur nous partage ici, c'est dans Genèse le chapitre 4, le verset 1, qui dit que Adam connut Ève. Alléluia. Adam connut Ève. Et donc de cette connaissance-là, c'est-à-dire de ces rapports qu'ils ont eus, Ève a enfanté qui? Elle a enfanté qui? Hey, vous ne connaissez pas le premier enfant d'Adam et Ève? Hein? Ève a enfanté Caïn. Donc, le mot utilisé ici, c'est yada. Alléluia. Ainsi, lorsque Moïse dit à Dieu, « Je veux te connaître », il parle non seulement de la compréhension des voies de Dieu, mais encore plus d'une relation intime entre Dieu et lui. Il parle d'une vie de Dieu en lui et d'une vie de lui-même en Dieu. Ce mot « connaître » engage Moïse à avoir une relation amoureuse profonde et intime avec Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que quelqu'un veut avoir une relation passionnelle, passionnée et amoureuse avec Jésus? Si c'est ta soif, dis-moi un amen fort de chez toi là-bas. Alléluia! Moi, c'est ma soif. Cette soif-là commence à vraiment grandir dans mon cœur. Alléluia. Quelqu'un dit amen. La gloire de Dieu est donc étroitement rattachée à notre connaissance, à notre degré de fusion et d'intimité avec Dieu. Quelqu'un dit amen. Je répète encore. La gloire de Dieu, donc dans ta vie, la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais, est étroitement rattachée. Donc ton niveau de gloire, le niveau de manifestation de gloire de Dieu que tu vis au quotidien est étroitement rattaché à ta connaissance, alléluia, à ton degré de fusion et d'intimité avec le Seigneur. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Et dit, si donc tu connais Dieu de façon intime, alors tu verras sa gloire. Tu vois la gloire de Dieu. Quelqu'un voit la gloire de Dieu. Alléluia. Paul, ayant également compris cela,
pouvait dire dans Philippiens le chapitre 3, le verset 4 à 10. Je veux qu'on lise ce passage. Philippiens chapitre 3, hein, là comme aidez-nous. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Le verset 4 jusqu'au verset 10. Donc nous voyons que même avec ces grands hommes de Dieu, des gens comme Paul, des gens comme Moïse, des gens comme Abraham, quelqu'un dit Amen, cette soif était dans leur cœur. Philippiens 3. On a dit au quatrième verset? Verset 4 à 10. Je vais lire. Le passage est là, ok. Je veux un lecteur alors. Quelqu'un peut lire pour nous? Prenez un micro. Je lis la parole de Dieu. Philippiens 3, 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Non. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un Amen fort. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Alors, le verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Dis Amen. Donc, qu'est-ce que Paul cherche? C'est-à-dire, il cherche à atteindre la perfection, pas une perfection humaine, la perfection qui est en Christ. Donc, cette perfection est devenue une quête pour Paul. Dis avec moi, une quête, une soif, le but ultime de sa vie. Il dit, j'ai tout laissé. Je regarde toutes choses comme de la boue. Mon rang social, alléluia, mes études, ma réputation, mon estime de moi, l'opinion des gens me concernant. Quelqu'un dit Amen. Oui, il dit, j'ai tout laissé. Pourquoi? Pour une seule quête, connaître Christ. Dis avec moi, connaître Christ. Dis avec moi, connaître Christ. Et il dit, je cours. Je cours pourquoi? Je cours pour cette seule quête-là. C'est ce seul but que je poursuis. Alléluia. Oh, que ce but-là, c'est-à-dire connaître Christ, devienne notre seul et unique but dans la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que dans la connaissance de Christ se trouvent toutes les réponses. Oh,
Dans la connaissance de Christ se trouvent toutes les réponses. C'est dans la connaissance de Christ que se trouve, alléluia, oui, c'est-à-dire la réponse à toutes tes attentes. Je prie que tu connaisses Christ. Quelqu'un dit amen. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Quelqu'un dit amen. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Quelqu'un dit amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. On peut acclamer cette bonne parole du Seigneur. Tu peux l'acclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc voilà ce passage extraordinaire que le pasteur nous partage. Alléluia dans sa réflexion au jour 5 de ce merveilleux dévotionnel. Quelqu'un dit amen. Alors, dit Paul, ayant également compris cela, poursuivait ce but-là. Alléluia. Il regardait toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel il avait renoncé à tout. Il était prêt à renoncer à tout ce qui avait de la valeur pour lui dans le seul but de connaître, c'est-à-dire fusionner, devenir intime de Christ et donc de Dieu. Nous retrouvons la notion de fusion et de partage, entre parenthèses, communion, mais aussi la conformité, c'est-à-dire s'identifier à. Quelqu'un dit amen. S'identifier à. Donc, il y a le fait que Moïse et Paul et tous ceux, ces héros-là de la foi, aspiraient profondément, alléluia, voilà, à cette gloire de Dieu-là. Mais, je n'ai pas envie de dire malheureusement. Heureusement pour eux, Dieu les a exaucés un peu. Mais la Bible dit, il ne les a pas vraiment exaucés. Pourquoi? Parce que cette gloire ne leur était pas réservée. Quelqu'un dit amen? Cette gloire ne leur était pas réservée. Dis-moi amen. Oui, elle ne leur était pas réservée. Elle était réservée à toi et à moi. Quelqu'un dit amen? Alors, je crois que tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Voilà, donc cette gloire-là ne leur était pas réservée, mais elle était réservée à toi et à moi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Je vais vous lire encore une portion du merveilleux dévotionnel du pasteur. Exode, le chapitre 33, le verset 22 à 23. Là, vous allez voir que ici, le pasteur Mohamed va commencer à donner les clés, alléluia, pour véritablement accéder à ce lieu-là où se trouve la gloire de Dieu. Dis avec moi les clés. Dis avec moi les clés. Donc, la gloire ou la marche vers la gloire, l'accès à la gloire de Dieu, comme nous le disons, est un cheminement. Et nous avons vu combien de fois c'était une quête, c'était une soif pour ces grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Quelqu'un dit amen. Et donc Moïse, pendant qu'il manifestait cette soif-là d'avoir accès véritablement à la gloire de Dieu, Dieu va lui dire un certain nombre de choses dans lesquelles, en fait, Dieu cache de grandes révélations, Dieu cache de grandes clés pour avoir accès à la gloire de Dieu. Dis avec moi, accès à la gloire de Dieu. Amen. Alors, on va aller encore dans Deutéronome 33, comme je l'ai dit tout à l'heure. Prends ta Bible avec moi, Deutéronome 33. À partir du verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma gloire et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Il dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais
miséricorde. Je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Que Dieu fasse grâce, que Dieu fasse miséricorde à quelqu'un. Moi, je déclare ce soir que je fais partie des personnes qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Si c'est le cas pour toi, dis Amen fort. Alléluia. Le verset 20, il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici, dis avec moi, voici. Oh, dis bien, voici. Dis encore, voici. Alléluia. Il dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Verset 22, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Dis avec moi, un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Dis Amen. Verset 23, et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Quelqu'un dit Amen. Alors voilà des choses que Dieu a dites à Moïse. Mais dans ces choses-là, Dieu a caché une grande révélation, une grande clé. Alléluia. Voilà. Qu'il a vraiment révélé au pasteur Mohamed. Et c'est ce qu'il nous partage. Donc, dans la leçon 6 du dévotionnel 4. Quelqu'un dit avec moi, le rocher. Oh, je ne t'entends pas. Dis Amen. Alors, vu que le temps est parti, je ne vais pas lire. Je vous l'ai recommandé, achetez le dévotionnel. Je vous assure que vous serez bénis. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre encore la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Je veux que quelqu'un m'aide à la lecture. 1 Corinthiens 10. Quelqu'un peut m'aider? 1 Corinthiens 10, maman. À partir du verset 3, verset 4. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. C'est Paul qui parle et il dit un certain nombre de vérités. Paul parlait d'obéissance à Dieu, de soumission à Dieu. Alléluia. Aux Corinthiens. Et il dit que le peuple qui est sorti d'Égypte là, le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, le peuple que Moïse a sorti d'Égypte, pendant leur marche dans le désert, ils buvaient à un rocher. Quelqu'un dit Amen? Dis avec moi, rocher. Ramenez-moi le verset 3. Il dit, ils ont mangé tous la même nourriture et ils ont bu, mais c'était une nourriture spirituelle, Amen. Et ils ont bu ce breuvage spirituel-là, ils l'ont bu, alléluia, voilà, à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Dis, hey. Autrement dit, le rocher était avec le peuple d'Israël dans le désert. Le Dieu qui marchait avec le peuple d'Israël le jour dans la nuée et la nuit dans la colonne de feu, avec ce Dieu, il y avait un rocher. Dis avec moi, un rocher. Et donc Dieu dit à Moïse, il dit, tu veux voir ma gloire? Tu veux avoir accès à ma gloire? Tu demandes une chose difficile, mais j'accède à ta demande. Alléluia. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais te faire tenir sur un rocher qui est près de moi.
Il n'a pas dit un rocher, il dit le rocher. Alléluia. Il dit, près de moi, il y a le rocher. Je vais te faire tenir. Je vais te faire arrêter sur ce rocher. Et je te cacherai dans un creux du rocher. Quelqu'un dit amen. Alors, je te cacherai avec ma main. Et donc, pendant que je serai en train de passer, je vais proclamer devant toi ma gloire et ma bonté, et tout, ainsi de suite. Alléluia. Voilà. Il dit, pendant que je passerai, je vais tourner ma main. Quand je tournerai ma main, tu pourras me voir, mais tu ne me verras pas de face. Tu me verras comment? Tu me verras de dos. Alléluia. Car on ne peut pas voir ma face. Le passage de Corinthiens nous révèle que le rocher là, c'est Christ. Dis avec moi Christ. Ah, dis encore Christ. Donc Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas avoir accès à ma gloire si tu ne te tiens pas sur ce rocher. Tu ne peux pas avoir accès à ma gloire si je ne te cache pas dans ce rocher. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, le chemin vers la gloire se trouve dans le fait de connaître Christ le rocher, de se tenir sur Christ le rocher et de s'abriter en Christ qui est le rocher. Dis-moi amen. Amen. Donc Dieu est en train de dire, personne donc ne peut me voir, ne peut voir ma gloire si il n'est pas fondé sur Christ. Tu ne peux pas avoir accès à moi, tu ne peux pas avoir accès à ma gloire si entre toi et moi, tu ne découvres pas le rocher. Si entre-temps, tu n'as pas eu la révélation de ce rocher, si tu ne te tiens pas sur ce rocher, si tu ne t'abrites pas dans ce rocher, tu ne peux pas avoir accès à ma gloire. Tu ne peux pas être mon intime. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Dis amen. Dis amen. Bon, quelqu'un va me dire, mais j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est une excellente chose. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Voilà, c'est là où tout l'enseignement du pasteur, ces derniers temps-là, trouve son sens. Que vous pouvez accepter Jésus et ne pas avoir la révélation de Christ. Quelqu'un dit amen. Mais le Seigneur nous dit ici, sans cette révélation, vous ne pouvez pas connaître ma gloire. Vous ne pouvez pas vivre ma gloire. Vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec moi. Personne ne peut avoir accès à ma gloire sans connaître Christ. Il dit, ce n'est qu'en Christ que c'est possible. Dis-moi, amen. Alors, je nous recommande à nous référer à tous les derniers enseignements dès qu'on sera... On va reprendre, hein? Dès qu'on va reprendre les choses. Mais déjà, ces enseignements sont différents, sont disponibles, pardon, sur toutes nos plateformes. Si vous allez sur notre plateforme Facebook, notre page Facebook, vous avez tout le séminaire. Le pasteur a pris le temps d'enseigner longuement sur l'importance de connaître Christ. Vous savez que le thème du séminaire, Alléluia de Pâques, c'était quoi? C'était quoi? Hein? Christ m'a victoire. Quelqu'un dit amen. Christ ma victoire. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il aura de verts pâturages. Il entrera et il sortira. Il aura de verts pâturages. Quelqu'un dit amen. Il faut que j'aille vite. Dis, hey. Dis, connaître Christ. Alors, je vais aller dans Matthieu. Allons dans Matthieu pour que je vous explique quelque chose. Et nous allons finir avec ça. Allons dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 16. Et dis avec moi, connaître Christ. Waouh. Dis avec moi, connaître Christ. Oh, tu dis pas bien. Dis encore. Dis fort. Dis avec moi, Christ, je veux te connaître. Alléluia.
Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16, je lis. Je lis à partir du verset 13 pour qu'on comprenne mieux le contexte. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Dis Amen. Verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Vous savez, les disciples ont répondu à la question que Jésus a posée, comme quoi, qui est-ce que les gens disent que je suis? Dis Amen. Il dit, selon l'opinion des gens, tu es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Amen. Tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui pensent que tu es Élie. Il y en a d'autres qui pensent que tu es Jérémie. Il y en a aussi qui pensent que, bon, tu es un prophète. Tu es l'un des prophètes qui a existé sur la terre ici. Maintenant, Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous qui me suivez tous les jours, vous qui priez avec moi, vous qui évangélisez avec moi, vous qui rendez ministère avec moi, dis-moi Amen. Vous qui êtes à l'église tous les jours, vous qui priez et qui jeûnez, vous qui chantez dans la chorale, quelqu'un dit Amen? Oui. Vous mes disciples, vous mon peuple, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Vous savez, c'est une question plus qu'importante. C'est une question indispensable, alléluia, à votre chrétienté. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Si le Seigneur insiste pour savoir, en dehors de l'opinion publique, qu'est-ce que ceux qui étaient avec lui, ceux qui marchaient avec lui, ceux qui mangeaient avec lui, ceux qui passaient pratiquement leur vie avec lui, ce qu'ils pensaient de lui. Si le Seigneur insiste, ça veut dire que c'était capital. C'était important. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il dit, qui dites-vous que je suis? Vous pensez comme eux? Vous avez les mêmes opinions? Vous pensez que je suis un prophète? Vous pensez que je suis un docteur? Vous pensez que je suis un guérisseur? Quelqu'un dit Amen. Vous pensez seulement que je suis un sauveur. Quelqu'un qui te donne à manger quand tu as faim. Quelqu'un qui te donne le mariage quand tu veux te marier. Quelqu'un qui te donne la femme quand tu veux te marier aussi. Quelqu'un qui te donne le travail quand tu as besoin de travail. Le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Qui dites-vous que je suis? Quelqu'un dit Amen. Le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dis avec moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre n'a pas dit, tu es Jésus, le fils de Marie et de Joseph. Ça, tout le monde sait. Quelqu'un dit Amen. Oui. Pierre dit, tu es le Christ, le Messie, le oint de Dieu, loin de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu es le Messie, loin de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit Pierre, ce que tu viens
de me dire, la réponse que tu viens de donner est une révélation. Tu n'as pas su cela par ton intelligence. Tu n'as pas su cela parce que tu es allé à l'école quelque part. Quelqu'un dit amen. Parce que tu as eu des diplômes de théologie. Tu n'as pas su cela. Non, tu as su cela parce que mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Dis avec moi, révélé. Ah. Autrement, la connaissance de Christ, là, c'est une révélation. Connaître Christ est une révélation que Dieu vous donne, que Dieu vous fait. Ça dit, Dieu vous ouvre l'esprit. Il vous ouvre le cœur. Il vous ouvre les yeux. Il ouvre votre entendement spirituel pour que vous puissiez saisir qu'il y a Jésus et puis il y a Christ. Quoi que ce soit la même personne, et le pasteur a enseigné pendant le séminaire que c'est la pièce, alléluia, c'est les deux faces d'une même pièce. Dis amen. Autrement, tu peux connaître la face Jésus sans connaître la face Christ. Alors que la connaissance de la face Christ est ce qui te fait rentrer dans la gloire de Dieu. La connaissance de la face Christ, c'est la révélation du rocher que Jésus. Quelqu'un dit amen. Et Dieu a dit à Moïse, si tu ne te tiens pas sur ce rocher, autrement dit, si tu ne connais pas ce rocher, si tu n'as pas cette révélation, quelqu'un dit amen. Je ne sais pas si Moïse avait compris. Mais ces choses ont été écrites pour nous. Quelqu'un dit amen. Nous, à qui Dieu a réservé la révélation, la connaissance de Christ. Ces gens-là ont su qu'il y avait un mystère qui était caché. Et la Bible dit, Pierre dit qu'ils en ont fait l'objet de leurs investigations. Mais ils ont compris que ce n'était pas à eux que cela était réservé, mais à nous que c'était réservé la connaissance, qui était réservé, pardon, la connaissance, la révélation, quelqu'un dit amen, de Christ. Que quelqu'un reçoive la révélation de Christ ce soir. Ce sur quoi je vais finir, c'est que Jésus dit à Pierre ici, que ce que tu viens de découvrir par l'esprit, pas par ton intelligence, mais par l'esprit, c'est Dieu qui te l'a révélé. Je prie que Dieu ouvre l'entendement de l'Église, que Dieu ouvre l'entendement de quelqu'un, que Dieu ouvre notre entendement. Alléluia. Parce que nous-mêmes qui parlons de ces choses, nous n'avons pas fini de saisir, nous n'avons pas fini de recevoir la révélation. Paul dit, nous connaissons, mais nous connaissons en partie, Seigneur. C'est une prière que j'élève vers toi ce soir, pour moi et pour ton Église, pour quelqu'un qui nous suit, Seigneur. Tu m'as dit, roi de gloire, tu m'as dit que le temps est arrivé. Nous sommes dans la saison où, Seigneur Dieu, tu ramèneras au centre de la prédication de tes serviteurs, de ceux qui te servent véritablement, la nécessité de prêcher Christ. La nécessité, Seigneur Jésus, d'amener le peuple de Dieu à la révélation de Christ, à la connaissance profonde de Dieu. Pour que, Seigneur Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, une armée se lève, un peuple de Dieu soit suscité, un peuple qui connaît son Dieu, un peuple, Seigneur Jésus, qui a reçu pleinement ta révélation, et un peuple, Seigneur, qui accède à cette dimension de divinité que tu nous as donné, que tu nous as, Seigneur Dieu, légué par le Christ Jésus. Tu veux, Seigneur, dans cette génération, tu veux, Seigneur Dieu vivant, dans ces temps qui sont, Seigneur Dieu vivant, les derniers, susciter une église, susciter, Seigneur Dieu vivant, une armée, susciter une épouse, roi de gloire, qui sera revêtu de ta gloire, attendant ta venue, manifestant ta gloire, Seigneur. Tu veux susciter, Père, cette catégorie de chrétiens
cette catégorie de serviteurs et de servants de Dieu. Seigneur, que le message change, je prie, que le message change. Que le message change. Que le message, Seigneur, change. Si le message change, Seigneur, ton peuple changera. Si le message change, Seigneur, tu susciteras à travers la parole, la prédication de la croix, Seigneur, tu susciteras un peuple qui connaîtra véritablement son Dieu. Un peuple, Seigneur, avec lequel tu accompliras cette grande moisson avant la fin, Seigneur, des temps, avant ton retour glorieux. Je prie que cette armée soit suscitée. Je prie que cette armée soit suscitée. Je prie que cette armée soit suscitée. Je prie que tu suscites des serviteurs et des servants de Dieu, Seigneur, qui prêchent la croix, qui prêchent, Seigneur, Christ et Christ crucifié, Christ ressuscité, le Christ qui revient bientôt, le Christ qui revient chercher son Église, Seigneur. Révèle-nous Christ. Révèle-nous Christ. Suscite des intimes de Dieu. Suscite, Seigneur, des passionnés de Dieu. Suscite des amoureux de Dieu. Suscite-les déjà dans cette génération, Seigneur. Fais cette chose inouïe. Accomplis cette chose glorieuse, Seigneur. Accomplis, roi de gloire. Accomplis ce miracle dans notre génération. Fais-le dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Alors, dans ce passage que nous avons lu dans Matthieu, le chapitre 16, du verset 16 au verset 18, le Seigneur Jésus dit clairement à Pierre qu'on ne peut pas bâtir une vie chrétienne, une relation. On ne peut pas bâtir. Vous allez voir que c'est dans la suite que Jésus va dire à Pierre. Alors je vais lire, il dit, verset 17, Jésus reprenant la parole dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre. » Dites Amen. Dites Amen. Je vais parler de cela mercredi prochain. Il dit, « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Quelqu'un dit Amen. Vous savez, l'église est destinée à revêtir la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Et Paul enseigne, dans Corinthiens, il dit que la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Alors, l'Église existe pour la gloire de Dieu. L'Église est destinée à transporter la gloire de Dieu, à manifester la gloire de Dieu. Et l'Église de ces derniers temps va manifester une telle gloire de Dieu, une telle puissance de Dieu. Alléluia. L'Église de ces derniers temps va manifester une telle révélation de Dieu. C'est ce que le Seigneur va faire, c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Alors quand je vois des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des gens comme notre Père spirituel, interpellés par l'Esprit, utilisés par l'Esprit, commencer à enseigner sur ces vérités profondes qui choquent les gens, qui bouleversent certaines convictions, je comprends que le Saint-Esprit est en train d'amener l'Église. Alléluia. Voilà. Le Saint-Esprit est en train d'amener l'Église à un autre niveau de révélation de Dieu, à un autre niveau de révélation de Dieu, à un autre niveau de vie chrétienne. Et je crois que l'Esprit de Dieu va le faire. Je crois que Dieu va susciter de véritables serviteurs de Dieu, alléluia, qui vont enseigner cette vérité jusqu'à ce que nous voyons l'Église revêtir la gloire de Dieu. Pour le moment, l'Église dans laquelle, l'Église de notre époque, est l'Église de Laodicée. Et Jésus a dit à cette église, tu te dis riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es nu, que tu es aveugle. Quelqu'un dit Amen? Donc l'église va muter, l'église va être transformée. Quelqu'un dit Amen? Il y a un message
qui va, que le Saint-Esprit va commencer à communiquer. Il a déjà commencé à le faire. Quelqu'un dit amen. Il y a un message que le Saint-Esprit va commencer à vraiment mettre à cœur aux authentiques serviteurs de Dieu. Quelqu'un dit amen. Oui, l'église, la prédication va revenir à l'essentiel, qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est la prédication de la croix, la prédication de Christ. Quelqu'un dit amen. Pour que quoi? Pour que la connaissance de Jésus-Christ soit répandue à nouveau dans l'église, comme au temps de l'église primitive. Quelqu'un dit amen. Où la gloire de Dieu était manifeste dans l'église. Où à une seule prédication, on pouvait avoir 5000. Pierre seul prêche et 5000 personnes sans micro, sans logistique, 5000 personnes se donnent à Jésus. Comment c'est possible? Il n'y a que la gloire de Dieu qui peut faire ce genre de choses. Et je crois, le Saint-Esprit l'atteste à mon esprit, que l'Église va à nouveau expérimenter ce niveau de gloire de Dieu avant la fin des temps, avant le retour du Seigneur. L'Église va expérimenter ce niveau de gloire. Ce revêtement de la gloire de Dieu va revenir dans l'Église. L'Église sera véritablement à l'image de ce que Éphésiens 5 nous dit, que Jésus vient chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quelqu'un dit amen. Dis encore avec moi le rocher. Je prie ce soir, et nous allons continuer mercredi prochain, mais je prie déjà ce soir que la révélation de Christ devienne ta quête profonde. Que la révélation de Christ, la connaissance de Christ, l'intimité avec Dieu devienne ton seul but, ton plus grand but, ta plus grande quête, ta plus grande soif. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Et je crois que le Seigneur le fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Alors, aujourd'hui, nous avons appris que le rocher sur lequel Dieu a dit à Moïse qu'il allait le positionner, dans lequel il allait le cacher, ce rocher, c'est Christ. Quelqu'un dit amen. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 4 nous a enseigné. Mercredi prochain, nous allons poursuivre ce voyage. Quelqu'un dit amen. En approfondissant la révélation de Christ. Comment est-ce qu'on obtient cette révélation? Je ne sais pas s'il y a une méthodologie pour avoir une révélation. C'est juste que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Pour que tu comprennes. Il t'ouvre l'entendement pour que tu comprennes. Et je crois que le Seigneur va faire cela à partir de maintenant pour quelqu'un qui a véritablement soif. Quelqu'un dit amen. Alors le Seigneur dit à Pierre que c'est sur cette révélation qu'il venait d'avoir qu'il va bâtir l'Église. Alors le Seigneur Jésus donc est en train de dire que sans cette révélation, il n'y a pas d'église. Il peut y avoir religion, mais pas église. L'église est bâtie sur la révélation de Christ, sur la révélation du rocher. Il dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un dit amen. Mercredi prochain, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'avoir la révélation de Christ. La révélation de Christ, c'est vrai, nous donne accès à la vie éternelle, mais la révélation de Christ nous donne accès dans ce siècle à notre héritage en Christ. Quelqu'un dit amen. Et l'héritage, c'est le symbole de Cana, c'est l'endroit où coule le lait et le miel. Ne voyez pas la richesse matérielle, ne voyez pas la gloire humaine, ne voyez pas le succès selon les hommes, voyez Christ. Alléluia. Parce que Christ est véritablement notre héritage. C'est en Christ que Dieu a pourvu à toute la plénitude de sa gloire, à toute la plénitude de sa divinité. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, les portes, alléluia, les portes d'accès à cette gloire te soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Ces portes sont dans ton cœur. Elle s'ouvre maintenant. Prie avec moi, élève la voix et prie avec moi. Que les portes éternelles qui sont en toi, les portes de la révélation de Christ, les portes qui donnent accès à ce lieu d'intimité avec Dieu, ces portes ne sont pas au ciel. Ces portes sont en toi. Ces portes sont à l'intérieur de toi. Alors, rentre à l'intérieur de toi avec cette prière et dis au Seigneur,
ouvre les portes de mon esprit, afin que j'aie la révélation, Seigneur, de cette connaissance profonde de ta personne. Ouvre, Seigneur Dieu, ouvre ces accès qui sont dans mon cœur. Ouvre, Seigneur Dieu vivant, ouvre-moi, roi de gloire, ces portes éternelles qui sont déjà en moi, parce que l'éternité est en toi, la vie éternelle est en toi, Christ est en toi. C'est toi qui dois aller à l'intérieur de cette vie éternelle qui est en toi. C'est toi qui dois aller par ta soif toquer à cette porte de l'éternité, à cette porte de la révélation de Christ. Va, va, va et demande au Seigneur, ouvre cette porte, ouvre-la grandement à l'intérieur de moi, afin, Seigneur, que je te reçoive, afin que j'entre, Seigneur, dans cette dimension de révélation de ta personne, d'intimité, de fusion, Seigneur, avec toi. Car tu m'as dit que tu es en moi. Alors, si tu es en moi, laisse-moi te découvrir. Laisse-moi faire un avec toi. Laisse-moi être en toi et toi en moi, Seigneur. Est-ce que tu peux prier maintenant? Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Nama, Linabris, Labahadabasha. Il dit, c'est une révélation. Donc, ce n'est pas des efforts humains. Non, ce n'est pas la sagesse humaine. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui nous donne accès à cette gloire de Dieu. C'est la révélation de Christ. Que ce soit le Seigneur t'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'accès à cette grande porte, cette porte sur la vie éternelle, cette porte sur la divinité qui est en toi. Oh, tu y as accès et tu vas commencer à la vivre, tu vas commencer à l'expérimenter, tu vas commencer à expérimenter cette gloire de Dieu qui est venue en toi par le Saint-Esprit. Librare le bocce a Carramazzo. Alors je prie pour toi maintenant, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Si déjà, Seigneur Dieu, à la genèse de l'Église, tu as accordé cette révélation à Pierre, à Jean et aux autres qui ont expérimenté ta gloire, déjà dans l'Ancien Testament, Seigneur, des personnes comme Moïse, Abraham, des personnes comme David, avait déjà commencé, Seigneur, à explorer ces voies-là. Les voies, Seigneur Jésus, de ton intimité, les voies de ta gloire, la révélation de ce Christ qui est le rocher. Je prie que ce soir, tu m'aides, que tu aides quelqu'un, Seigneur, qui est sous le son, Seigneur Dieu, de ma voix, qui entend cette prière. Père, à inaugurer cette voie aussi dans sa vie, à ouvrir, Seigneur, l'accès à la connaissance de Christ, à Seigneur Dieu vivant, à s'approprier cette divinité que tu nous as donnée dans le Christ Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci parce qu'au-delà de mes faibles mots, tu places, Seigneur Dieu, un accès excellent à cette glorieuse révélation éternelle que tu nous donnes. Merci pour ton serviteur, le pasteur Mohamed. Merci, Seigneur Dieu vivant, pour la voix de la parole qui est en lui, pour la voix de l'esprit qui résonne en lui. Merci, Seigneur, pour ses richesses. Les richesses, Seigneur Dieu, enfouies de ta parole que tu lui communiques, pour cette génération que tu es en train de susciter. Pour nous, ses fils et ses filles, nous te rendons gloire, éternel Dieu. Et nous reconnaissons, nous mesurons, éternel Dieu, peut-être pas à sa juste valeur, mais avec nos faibles moyens, nous mesurons la grâce que tu nous as faite de rencontrer, Seigneur Jésus-Christ, tes voies au travers ton serviteur. Merci. Merci pour sa vie. Merci de continuer à l'émonder afin qu'il porte davantage de fruits. Béni soit ton nom éternel. Nous te rendons gloire au ciel des siècles dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit amen. Alors que Christ devienne ta quête, sans plus tarder, nous allons faire nos offrandes avec symphonie d'honneur. Alors tu vas prendre ton offrande de là où tu es à la maison et tu vas offrir avec nous pour rendre grâce au Seigneur à cause de ce que tu as entendu. Rendre grâce au Seigneur pour la parole et tu vas demander au Seigneur de permettre à travers ton offrande de t'apporter toi-même comme une offrande vivante
sur l'autel de son intimité, pour que tu deviennes une intime, un intime de Dieu au travers cette offrande. Exprime-lui cette prière. C'est ce que nous voulons faire maintenant à travers nos offrandes avec symphonie d'honneur. Amen. Ces offrandes. Père, agrée l'offrande de quelqu'un ce soir. Agrée notre offrande. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, pour le don merveilleux de ton Fils à la croix, pour cet accès excellent, Seigneur, que tu nous donnes dans ton intimité. Merci. Merci parce que, au travers son corps meurtri au bois, tu as ouvert le voile, tu as déchiré le voile, Seigneur. Le voile qui nous empêchait, Père éternel, de te voir tel que tu es, de te contempler tel que tu es. Et Seigneur, dans Corinthiens, Paul explique que c'est en Christ que ce voile, Seigneur, tombe. Que ce soir, le voile tombe. Que le voile qui nous empêche, Seigneur Dieu, que le voile du péché, le voile de l'ignorance, le voile, Seigneur, de la religion, soit déchiré ce soir. Pour que, Père, nous quittions la religion pour une vie réelle et glorieuse en Christ Jésus. Que dans le nom de Jésus-Christ ce soir,
tout ce qui est ennemi de l'intimité, ennemi de ta gloire dans nos vies, soit pulvérisé par la puissance de la parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci de nous exaucer. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment, notre culte, notre rendez-vous des vainqueurs tire à sa fin. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors je vous donne rendez-vous le dimanche pour un seul culte exclusivement en ligne sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre donc en direct le dimanche à partir de 9h, de 9h à 11h30. Nous serons ensemble avec vous, de chez vous. Alléluia. Le culte donc sera chez vous à la maison. Donc disposez-vous, préparez vos offrandes, préparez votre sainte cène, préparez-vous vous-même intérieurement, voilà, à rester dans la présence de Dieu tous les dimanches à l'heure indiquée. Ne soyez pas ailleurs, ne vous laissez pas distraire. Le temps n'est pas à la distraction. Ne rate pas ton culte. Fais un sacrifice, paye un pass. Tu payes tout dans la semaine, mais sans ton pass. Tu oublies, alléluia, de réserver de l'argent pour t'acheter un pass, hein, et faire 2 heures de temps connecté, que ce soit à la télé ou directement sur ton iPhone, ou pardon, ton mobile, hein, pour suivre le culte. Alors, vraiment, faites de la discipline dans votre gestion et réservez de quoi vous connecter tous les dimanches pour suivre les cultes. Alléluia. Ne te déconnecte pas de la présence de Dieu. Ne te déconnecte pas des temps de prière que nous organisons dans nos groupes GEM, dans nos groupes de GEM, dans les différents départements. Donc, je vous exhorte, hein, les boss, les serviteurs, à ne pas du tout vous déconnecter. Restez très, très connectés. Participez aux différents moments que nous organisons. Les temps de prière, de méditation matinale et les soirs en ligne, chaque département à son tour. Donc, je vous exhorte à vraiment vous atteler à être à ces différents rendez-vous pour ne pas laisser votre lampe, alléluia, baisser d'intensité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été très heureux de partager le culte avec vous. Que Dieu vous garde. Excellente nuit avec la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pousser
des cris de joie.